tous les lundis et derniers samedis du mois dès 23h sur 95.2 FM et ici et maintenant.com en direct avec David Abassi pour l'émission L'Humeur du Temps. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, voilà, comme Morgan, il vient de nous informer. Je suis là avec vous tous les lundis de 23h également. Bien sûr, dernier samedi de chaque mois aussi, je le maintiens, il reste valable, dernier samedi de chaque mois, et tous les lundis, dès 23h, je suis avec vous jusqu'à 1h du matin, bien sûr. Alors, je sais qu'actuellement, c'est les élections présidentielles, Fillon, et l'histoire de Théo. L'histoire de Théo qui est grave, il est très très grave, et impardonnable de la part d'individus qui a commis cet acte. Impardonnable, puisque c'était très violent. Mais malheureusement, de l'autre côté, vous savez, comme il nous a dit cet après-midi, notre premier ministre, il a dit ça, Bernard Cazeneuve, il a dit manifester. C'est légitime, mais entrer dans les phases de la violence et déchaînement, ça non plus, ce n'est pas pardonnable. On peut bien manifester, s'exprimer, comme le monde civilisé, quand il y a quelque chose qui dérange la République, qui dérange le peuple, qui dérange l'humanité, l'humanisme. Ça, c'est vrai, c'est sûr, on peut manifester. Mais la violence, vous savez, de temps en temps, vous pouvez constater, même la violence dans la parole est condamnée. La violence dans la parole, quand on parle un peu plus fort que d'habitude, les autres qui sont autour de nous, ils vont avoir peur. Alors imaginez-vous la violence dans les quartiers, brûler les voitures, casser. Ça, ce sont les gens qui entrent dans les manifestations pour empêcher les autres de manifester. Pour ça, moi, je pense, chaque fois quand il y a une manifestation organisée, les associations qui organisent ces manifestations, ils doivent assurer la sécurité et le bon déroulement de leurs manifestations. Quand il s'agit d'une association, d'un groupe de gens qui vont faire quelque chose, avant tout, désigner, sélectionner une vingtaine, une centaine, un millier même de temps en temps, si vous voulez rassembler 2 millions de personnes, 1 million de personnes, il faut plusieurs milliers de personnes, au moins 2 millions, parce que vous savez, quand vous voulez organiser quelque chose dans une salle, on dit pour 40 ou 50 personnes, il faut un agent de sécurité. Dans une discothèque, si vous voulez recevoir 500 personnes, par exemple, on dit il faut 10 agents de sécurité. Alors, quand vous allez organiser une manifestation, selon les individus que vous voulez recevoir dans votre manifestation, puisque toujours il y a des organisateurs, toujours il y a des gens qui organisent n'importe quelle manifestation, réunion, meeting, pensez, mes amis, mes chers amis, pensez à la sécurité de votre manifestation pour que les désordres plus, les désordres n'entrent pas dans votre manifestation. Parce que une fois, deux fois, si Bobigny, à droite, à gauche, s'est répété, après, vous serez incapable de continuer à manifester, à vous exprimer, à contester en paix.
êtes déjà au courant, vous savez que vous avez la parole dès que vous décidez. Vous pouvez nous appeler et vous exprimer. De quoi vous voulez qu'on parle? Je suis là à votre service, David Abbassi est à votre service, l'antenne est à votre disposition. Intervention, questions ou des informations à nous donner, vous êtes le bienvenu. Comme vous pouvez constater actuellement, nous, depuis toujours, on essaie de vous faire parler, vous. Et nous, on vous écoute, sauf si vous avez des questions, sauf s'il y avait des choses, des informations. Mais c'est vous qui, mes chers amis, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous pouvez intervenir et vous exprimer, mes chers amis. Vous êtes les bienvenus. Alors, n'oubliez pas, notez bien, David Abbassi est avec vous tous les lundis, de 23h jusqu'à 1h du matin, et dernier samedi de chaque mois. Et moi, je vais être ravi de vous entendre sur plusieurs sujets. On peut parler ce soir, cette nuit. C'est vrai que les informations, depuis certain temps, n'est pas satisfaisantes. Alors, quatre personnes soupçonnées de préparer un attentat auraient été à Montpellier. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de préparer un attentat assez dangereux. On les a arrêtés à Montpellier. Et, regardez les services de sécurité, services de police travaillent bien. Il y a des petites désordres et bavures. Ces petites bavures doivent être punies pour que la République et le service de sécurité et les policiers de la France restent toujours respectables, mes chers amis, et une, deux personnes dans une armée, ça ne veut pas dire que c'est l'armée en cause. On va recevoir Francis. Bonsoir. Bonsoir Francis. J'aime beaucoup ce que tu dis, David, en introduction. J'ai beaucoup aimé ça. Mon sentiment, là, c'est que on pourrait avoir peur de la police en tant que citoyen. Et c'est ça qui nous fait peur, en fait. C'est que la police, au lieu de nous protéger comme citoyen ordinaire, serait peut-être une menace ou faudrait s'en méfier comme... Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, non, tu peux me tutoyer. Oui, Francis. Et je pense que la confiance dans la société, il y a un... Comme Voltaire et Rousseau parlaient de contrat social, il y a un contrat social. On doit avoir confiance, un minimum confiance. On va au restaurant, on mange, on a confiance, puis on va payer à la fin, on prend un taxi, on a confiance. La confiance fait partie de la société. Et je pense que tout en haut de la pyramide, la police est là, et l'exemple ultime de la confiance. Oui. C'est respecter la confiance dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Francis, oui. Alors, Francis, tu penses quand même la police en France est tellement civilisée et républicaine par rapport à d'autres polices qu'on peut constater et regarder dans les pays civilisés, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, oui. Comme en Allemagne, quand même. C'est un bon exemple. Moi, je suis anglais d'origine, et en Angleterre, la police, beaucoup de police n'est pas armée. L'idée, c'est de minimiser les armes et de faire en sorte que la police n'est pas armée, donc tu l'expliqueras bien que moi. Je peux pas l'expliquer, mais en fait, aux États-Unis, la police est très armée, donc les criminels sont très armés. Et en anglais, tu peux expliquer ça pour mieux que moi, tu vois. C'est que, en fait, il y a une escalade de l'armement, de la violence, de la. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce que je voulais dire, en fait, c'est ça. C'est que le citoyen est le garant de la confiance et du contrat social. Chaque personne doit attendre que... On doit être choqué que la police est indignée, que la police n'agisse pas comme on peut le demander. Mmh.
on a le droit en tant que citoyen, en tant que même être humain, de dire voilà, il y a des gens qui vont faire en sorte qu'ils ont le droit d'utiliser la violence à notre de notre part pour faire respecter la loi quand nous, nous n'avons pas envie de bien faire. Comme un pompier éteint un feu, on ne pourra pas l'éteindre nous. Eh bien, la police, c'est la même chose. La police va utiliser de la violence au bon niveau, face à la violence, pour à notre place. Donc, quand la police utilise un niveau de violence qui dépasse la justesse de la situation, on est indigné parce qu'on leur donne le droit de faire ça à notre place, mais c'est encore plus un crime parce que on leur a abandonné notre droit de citoyen d'éteindre le feu de la violence. Et quand eux causent de la violence, c'est très très grave. Tu vois ce que je veux dire, David ? Bien sûr, Francis, tu t'exprimes très très bien, mais les phases sont très intéressantes. Oui, 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 bien sûr, bien calculer tes phases. Toi, tu te fais raison. Ouais, oui, 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 oui. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais t'écouter parce que je t'écoute chaque semaine et bon, je vais t'envoyer un compliment. Je trouve que c'est formidable ton émission et tout. Donc voilà, je vais raccrocher maintenant et je t'écoute. Ok. Merci Francis. Merci. Merci. Voilà, c'était Francis sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous, si vous avez la parole, c'est votre antenne. Vous pouvez vous exprimer, nous informer. C'est à vous de choisir le sujet aussi. Vous savez que récemment aussi, le délit de consultation habituel des sites djihadistes annulé par le Conseil constitutionnel. Mais de l'autre côté, aujourd'hui même, nous avons été informés, après cette annulation par le Conseil constitutionnel, que le Parlement il est en train de préparer les lois pour quand même interdire cette consultation des sites djihadistes. C'est-à-dire, de l'autre côté, c'était rejeté. De ce côté-là, il va avoir des contrôles. Mais je pense que le plus facile, c'est d'éliminer, de détruire les sites... Non, les sites militaires des djihadistes, c'est-à-dire les sites internet, c'est vrai, c'est un peu compliqué, mais les sites djihadistes, les champs de combat, on peut les éliminer, enlever, supprimer très facilement. Je vais vous donner un petit secret. Personne ne le sait pas, sauf une dizaine de personnes. Alors moi, j'étais informé par un proche de Bachar el-Assad que vous ne l'aimez pas. Personne n'aime pas Bachar el-Assad actuellement, mais imaginez-vous qu'un de ses proches fait sortir cette information assez importante que je veux vous donner. Pour savoir que si on peut arrêter le mal dans le monde, c'est très facile. Arrêter le mal, arrêter les guerres, c'est très facile. Mais il faut aller chercher la source. Il faut voir ça vient d'où. C'est là que vous pouvez tout de suite l'arrêter. Puisque pour chaque truc, il y a quelqu'un qui tient le ficelle. Vous devez aller trouver cette personne qui tient le ficelle. Et c'est là que vous pouvez arrêter quelque chose. Voilà. Je crois que vous êtes plus intelligent que ça, c'est-à-dire, quand je dis vous, le monde entier, de savoir que les guerres, les petits problèmes, tout ça, ça ne commence pas comme ça avec un clin d'œil. Ce n'est pas par l'accident. Tout est programmé. Je ne sais pas si vous connaissez un autre business plan. Les Américains ont dit business plan. C'est-à-dire, quand vous voulez faire un commerce, on dit voilà, vous devez faire votre business plan, votre projet, votre plan commercial, votre bilan prévisionnel. Mais moi, j'aime bien cette expression business plan. Pour n'importe quoi, ils préparent de business plan dans le monde. Business plan, ça peut être politique, militaire, etc. Et après, c'est un scénario, comme un scénario qu'on écrit, on l'exécute. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler, même si je suis en train de parler, en composant le 08 92 23 95 20,
vous pouvez nous appeler pour vous exprimer, pour intervenir. Vos interventions, vos informations sont les bienvenues, mes chers amis, mais vos questions, voilà. Alors, le petit secret de Bachar Assad, c'est quoi? Bachar Assad, il dit, un jour, le roi d'Arabie Saoudite, il vient me voir à Damas. Après, il prend ma main. Il dit, mon fils, viens, on va aller ensemble au Liban. Vous savez que pendant des années, les Syriens, ils occupaient le Liban. Le Liban, il était sous l'occupation, syrienne. Ils sont sortis du Liban il y a déjà quelques années. Après, Bachar el-Assad, il dit, voilà, j'étais allé au Liban avec le roi d'Arabie Saoudite. Après, il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Le Liban, c'est à toi. C'est à toi le Liban, voilà. Comme un cadeau, Rolex, ou je ne sais pas quoi, on dit, tu veux le Rolex? C'est à toi, mon fils, voilà, tiens. C'est à toi, pas de problème, c'est à toi, voilà. Oh, ok, on a fait le tour, après, avant de prendre l'avion, les séparer l'un de l'autre, il dit, mon fils, Liban, c'est à toi, nous aussi à tes services, mais tu dois laisser tomber la République islamique d'Iran, c'est tout, voilà. Après, alors il sort, de Liban, il vient à Damas et il garde ses relations. C'est-à-dire, officiellement, le roi d'Arabie Saoudite, il dit que si tu veux Daesh et les autres mouvements armés qui sont en train de combattre dans ton pays contre toi, on le fait sortir tous de ton pays, alors, et c'est ça la condition. C'est ça. Oh, bien sûr, la même chose, il avait dit Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. À l'époque, quand il a invité Bachar Assad le 14 juillet, la seule chose qu'il avait demandé, c'était ça. Il n'a pas accepté, voilà. C'est-à-dire, mes chers amis, ça, je vous ai dit, c'est secret. Pourquoi? Parce que ça, ce n'était pas sorti dans aucun média. C'est-à-dire, on peut tout arrêter. Tout, on peut arrêter. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Puisque à droite, à gauche, au milieu, en bas, de l'histoire, de la société, qu'il soit orientale, occidentale, il y a certains intérêts pour garder certains mouvements, certaines attitudes, certains médias, etc., etc. Alors, mes chers amis, 08 92 23 95 20, c'est votre tour de parler, mes chers amis. Et Morgan, elle est là pour vous accueillir, prendre vos appels, et David pour vous écouter et discuter ensemble. Bonsoir Léo. Bonsoir docteur Abassi. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien? Merci Léo. Oui, on vous écoute Léo. J'aime très bien vos émissions. Je voulais dire juste une chose. Tout à l'heure, le monsieur a parlé que les polices de l'Angleterre ne sont pas armées. J'étais en Angleterre pendant des années et je sais qu'ils sont armés, mais c'est, l'arme, il est camouflé. Ils ont le droit de le mettre n'importe où. Et c'est des petits calibres. Et puis, vous êtes spécialiste et j'ai oublié que vous parliez un peu du concept de Adam, Bachar et Ensan dans le Coran, le nom frère musulman. Je vous remercie. Allô? Léo, je vous écoute, oui. Pardon, dernière phrase que vous avez dit. Oui.
Oui, selon moi, il commence par le fait que la dame, c'est quelqu'un de primitif, mais holistique, il voit le monde. Mais Bachar, il rentre dans la dualité et les conséquences qui interviennent après. Et puis Lenson, qui est l'humain, je ne sais pas si on a cette étape-là ou... Non, je voulais savoir votre avis là-dessus. Là-dessus, j'ai pas bien compris, cher Léo, la question. Il y a trois concepts selon l'homme dans le Coran. Oui. Adam, Bachar et Ensan. Oui. Il y a une sorte... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie. Voilà, une différence entre chaque étape, oui. Oui, voilà. Cette étape. Je ne savais pas. Mais je voulais savoir si vous pourriez éclaircir les gens là-dessus. Enfin, moi aussi. Quelle est la différence exacte entre ces concepts qui est un peu implicite dans le Coran, on ne peut pas le comprendre directement. Mais je crois qu'il y a un sens explicite là-dedans qui doit être dit. Léo, je pense que Adam, c'est-à-dire, c'est vrai que dans le Coran, il parle d'Adam et Hawa, Adam et Ève. Adam, c'est le nom de cet individu, de cette personne, on le considère, c'est-à-dire certains, qu'ils soient musulmans, je crois, et les chrétiens, et même les juifs, ils le considèrent comme quelqu'un qui a construit, qui a créé la vie humaine. Ce n'est pas vrai, parce que moi, je ne pense pas, parce que Adam, il vivait il y a déjà 5777 ans, c'est l'année hébreu, nous sommes dans l'année 5777, c'est le jour de naissance de M. Adam. Alors, quand il parle d'Adam, c'est ça, et après, puisque selon le Coran, c'est le premier homme, qui à mon avis, ce n'est pas le premier homme, ça peut être, on peut dire, premier homme civilisé, même il n'était pas civilisé parce qu'il était nu. Idéologiquement, on ne va pas parler maintenant, laisse tomber. Mais Adam, ça veut dire Adam. Après, vous avez tout à fait raison, on parle de Bachar et on parle de l'insan. Bachar, c'est la totalité des habitants de notre cosmos, vous voyez, c'est-à-dire Bachar, c'est l'humanité, voilà, la totalité. Mais quand il parle de... Excusez-moi. Oui, quand il parle de l'insan... Il y a une relation entre les Bachar et Charoul. Bachar, il est dedans. C'est-à-dire Bachar, c'est ça qui joue. Bachar, c'est la totalité des hommes qui vivent sur Terre. C'est Bachar, qui sont bien... qui font bien, qui font mal, c'est-à-dire les soldats du diable et le dieu, Bachar. Bachar, il peut être bien, il peut être mal, il peut être charour, comme vous venez de dire, c'est-à-dire méchant. Et quand il parle de l'insan, al-insan, c'est-à-dire l'homme qui est bien, c'est-à-dire l'homme qui est bien, al-insan, ou insaniya, on parle de insaniya, c'est-à-dire l'humanisme, ça c'est l'individu qui a pu tuer son diable et qui a beaucoup de Dieu. Il est plus proche de Dieu que de diable, parce que vous savez, l'homme, il est entre deux, blanc et noir, bien et mal, et Dieu et diable. Alors, insan, c'est l'homme, pas l'homme parfait, l'homme plus propre que Bachar, voilà, Léo. Sur l'homme de Nietzsche, en fait. Pardon ?
un peu c'est comme les sur l'homme de Nietzsche. Voilà, Nietzsche, il parle de ça. Qu'est-ce qu'il dit, Nietzsche? Non, pas tout ça, mais bon, il parle de sur l'homme. Oui. Mon avis, c'est équivalent à l'humain, à l'Ellison, en fait. D'accord, Léo. Et votre question était très intéressante. Je vous remercie beaucoup, Léo. C'est moi qui vous remercie. Merci pour m'éclaircir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que la langue arabe est très large. On dit la langue arabe, c'est une langue très très large, même plus large que la langue française. Puisque pour n'importe quoi, il y a une expression ou un mot exceptionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas comme la langue anglaise. La langue anglaise, c'est une langue très facile. Mais pourquoi ? Puisque pour plusieurs actes, il n'y a qu'une seule expression. Après, c'est vrai, en anglais, il n'y a pas de féminin ni masculin. En anglais, il y en a. She and he. Mais ce n'est pas très large comme, comme en français, vous voyez ? C'est vrai que... il y a petit féminin masculin dans la langue anglaise, mais ce n'est pas très large comme dans la langue française. Et les accents et beaucoup d'autres choses qu'il y a dans la langue française. Et la langue arabe est très très large, très 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 large. Et c'est vrai que c'était une langue de désert, une langue qui n'avait pas le grammaire. Le grammaire de la langue arabe, c'était écrit par un Iranien, Ibn Sibé. Voilà. C'est pour ça que c'est vrai pour l'homme. Vous avez Adam. Adam, il est considéré comme l'homme de temps en temps quand il parle dans le Coran. Et Bachar, après, c'est l'homme qui est entre le mal et bien. Et Insan, c'est lui qui est... Il est anus. Il est gentil. Il est... Voilà. Alors, mes chers amis, c'est le lundi, et comme vous le savez, depuis quelque temps, tous les lundis, de 23h à 1h du matin, également David Abbasid avec vous, et bien sûr, chaque dernier samedi de mois aussi, je suis avec vous, et Morgane est prête à recevoir vos appels, et vous pouvez intervenir, poser vos questions, nous informer sur certaines choses que vous savez, peut-être les autres ne le savent pas, en composant le 08 92 23 95 20. Les lundis et derniers samedis du mois dès 23h sur 95.2fm et ici et maintenant.com en direct avec David Abbassi. Pour l'émission L'Humeur du Temps, vous pouvez intervenir et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Caméra mobile sur les policiers. Vous avez entendu ça, ils vont être équipés aux caméras mobiles, les policiers. Enfin, je crois 2500 caméras, des choses comme ça. Alors, vous pensez
ça, ça peut être utile ou non. Est-ce qu'il peut se passer des choses hors caméra? C'est-à-dire, si on ne déclenche pas l'enregistrement. Surtout qu'actuellement, pour certaines bavures, il y a déjà des enregistrements. Alors, ça, c'est vrai qu'aux États-Unis, tous les policiers sont équipés en caméra. C'est-à-dire les caméras où il est sur leur casquette ou sur le blouson, est toujours branché. C'est-à-dire comme un webcam. C'est pas la peine de le déclencher. Mais là, ici, est-ce que ça, ça peut changer ou non? De toute façon, moi, je pense, c'est mon idée, puisque vous êtes très nombreux de parler à ce sujet-là. Le premier jour de cet accident triste, condamnable, que président de la République française, François Hollande, il a fait un geste assez remarquable. Il est allé rendre visite à Théo. Le jour qu'il a fait cet acte courageux, il a condamné cet acte. C'était condamné. Officiellement, aussi, on devait condamner cet acte. C'était fini après. On ne devait pas chercher de justifier ou d'agrandir, de réduire ce sujet-là. Les médias, qui ne sont pas comme nous, les médias ne sont pas comme la radio ici maintenant. Les médias, ils cherchent des sujets, même s'il n'y a pas, ils le créent pour créer les audiences, d'un côté. De l'autre côté, même le politique, il cherche certains sujets. Mais de toute façon, ici et maintenant, sur deux sujets, je veux dire la vérité. L'histoire de François Fillon, quelques mois avant, deux mois avant l'élection, les élections présidentielles, on sort le dossier d'un côté. Et de l'autre côté, l'histoire de Théo et tout ça, quand même, c'était condamné par presque tous les politiques, vous voyez. Alors, c'est vrai que peut-être un petit pourcentage, c'était variable et différent, mais ça, c'était condamné. Alors, l'autorité également devait tout de suite condamner cet acte isolé, commis par une personne, et l'histoire s'était finie, basta. De temps en temps, aussi c'est vrai, comme on parle, comme tout le monde le dit, on dit qu'on fait confiance à la justice, on fait confiance à ça, on fait confiance à ça, etc. Mais c'est vrai que David Abbassi, il pense, c'est moi que je pense comme c'est. De temps en temps, un petit retard dans la justice, un petit retard dans la reconnaissance des actes non républicains, ça donne des dégâts assez importants. Et ça, c'était le cas jusque maintenant, que j'espère que ça va se terminer, cette histoire, puisque toujours, comme vous savez, la République, il a des ennemis, la France, il a des ennemis, ces ennemis-là, il investit, il dépense de l'argent, et cette concurrence internationale, politique, économique, stratégique, qui existe dans le monde, ne pensez pas que la France va être éloignée de ça. L'ennemi, qui aujourd'hui il est l'ami en même temps, parce qu'actuellement, l'ennemi, il est ami. Tous les pays sont en concurrence pour prendre les marchés économiques. Pour ça, ils font des investissements. Ces investissements, ça peut faire partout, dans la violence, dans la paix, dans la politique, dans les médias. Et nous, la République, doit être intelligente. Et ce qu'ils viennent de dire tout à l'heure, Léo et Francis, surtout Francis et Léo, les deux côtés,
de deux côtés, nous devons être raisonnables et de deux côtés, nous devons être républicains. Devise français, notre devise, c'est quoi ? Liberté. Nous avons la liberté pour s'exprimer, mais pour la liberté, il y a une limite également, parce que tu n'es pas libre si tu veux m'empêcher d'être libre. Tu n'es pas libre si tu veux empêcher en philosophie, en religion, en individu, de ne pas exercer ses idées dans son temple, par exemple, dans sa famille, pas dans la société elle est laïque. La liberté a des limites quand même, pour ne pas déranger l'autre. Alors, deuxième, c'est égalité. Égalité, quand on dit, c'est égalité. Ce n'est pas puisque l'individu il est pauvre, il doit prendre un avocat gratuit ou je ne sais pas quoi, qui devrait toujours être condamné. Dans les petits tribunaux d'instance, dans le tribunal de commerce, je ne sais pas si vous vous rappelez ou non, il y a déjà une vingtaine d'années, il y avait environ 3000 pages de livres qui s'étaient écrits sur les failles des tribunaux de commerce. Les problèmes qu'il avait dedans, je ne sais pas quoi. Alors, il faut tout de suite régler ce problème-là. Taubira était ministre de la justice de notre pays. Elle-même, allez-y, regardez et écoutez tout ce qu'elle a dit. Il faut respecter les slogans. Et deuxième devise française après liberté, c'est égalité. Égalité doit être partout. Pour la part des gens qui ont des problèmes avec les banquiers, dès qu'ils vont aller au tribunal, le juge, ça c'est une enquête qui s'est été faite. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une enquête qui a été faite par plusieurs journalistes. Quand il y a une banque contre un citoyen, c'est la banque qui gagne. Même si le gars n'est pas solvable, il est condamné à payer pendant des années, quand même, mais il est condamné. Après, on ne cherche pas comment c'était fait, où c'était monté, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut respecter également égalité et fraternité. Alors, sur fraternité, si vous voulez, vous pouvez vous en parler, sinon on parlera après Bernard. Puisque Bernard, il est là, on ne va pas le faire attendre beaucoup. On va l'écouter. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Rassi. Je souhaitais revenir sur le sujet de l'affaire Théo, que vous aviez évoqué au début de l'antenne, en fait, pour dire qu'en fait, dans cette affaire, pour l'instant, le geste en lui-même, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit fort justement, c'est quelque chose d'impardonnable. Ça c'est une affaire, ça c'est quelque chose de bien net et définitif. Mais alors là où il est quand même légitime de s'inquiéter, c'est de voir de quelle manière les syndicats policiers se rendent complices de leurs collègues, en minimisant ou alors en faisant valoir des circonstances, etc., de manière à minimiser le geste. Et c'est quand même inquiétant que des syndicats se rendent complices d'une chose pareille, quoi. Le moins qu'ils pourraient faire, c'est au moins de se taire. Et encore plus provocateur que ça, il est quand même hallucinant que la police des polices, 2-3 jours après, 4 jours après les faits, se pressent de venir annoncer qu'il s'agit d'un accident. Alors, moi, personnellement, en tant que citoyen français, je ne crois pas être dans le niveau de la débilité mentale. Une telle assertion me choque. Je suis vraiment choqué par cette déclaration de la police de l'IGPN, comme quoi cet acte en fait n'était qu'un accident. Alors moi je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais je pense que qu'une telle déclaration de l'IGPN vienne si vite après les faits, ça peut être fait par hasard, à mon avis.
C'est-à-dire que, en fait, il s'agit d'une provocation. Ce geste, on peut, il faut vraiment avoir une naïveté sans borne pour penser que ça puisse être un accident. Et si la police des polices, l'IGPN, vient annoncer ça 3 jours après, elle aurait peut-être au moins pu, disons, attendre que les émeutes en banlieue se calment, qui 10 jours, 15 jours, pour donner les résultats des conclusions en disant son truc complètement nul, que c'est un accident. Non, là, c'est 3 jours après, en pleine période. Alors, dans quelle mesure on peut penser que c'est une provocation, à votre avis ? Provocation, moi je ne pense pas à provocation, Bernard. Je pense, si on veut être réaliste, je pense à ce que les syndicats des polices, nous n'avons pas des expériences de juger contre les policiers. Syndicats de police, c'est pour défendre les policiers. Mais juridiquement, police des polices, là, l'enquête devait par le ministre de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur, il est nouveau dans cette poste, il n'a pas beaucoup d'expérience, pourtant c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années à la mairie de Épinay-sur-Seine, tout ça, mais l'expérience que par exemple les gens comme Bernard Cazeneuve, ils avaient, ou les grands ministres de l'Intérieur qu'on avait à l'époque de Mitterrand, comme Jean-Pierre Chevènement, Paul Culès, Pierre Joxe, je crois que le ministre de l'Intérieur également devait, dans ce domaine, suivre le président de la République. Et une fois que le président de la République il est allé le visiter, maintenant c'est trop tard, mais c'est trop tard, Bruno. Mais lui, c'est Bernard, mais c'est notre ministre de l'Intérieur, je parle avec lui. Voilà. Le ministre de l'Intérieur aussi devait aller visiter Théo en disant. Voilà, ça pouvait calmer des choses, mais malheureusement, puisque on ne pensait pas, vous savez, je vous dis une chose, Bernard, personne n'avait pas préparé ce coup, à mon avis, qu'il soit parmi les policiers ou parmi les politiques et tout ça, parce que c'est une perte pour la République. Et les émeutes qu'on voit, les émeutes, n'oublie pas, regardez Bernard, je vais vous donner quelques exemples. Dans certains pays, dictature... Préparer le coup, je suis d'accord, c'est fou. Mais 3 jours après le venir avoir le culot, de venir dire que c'est un accident, c'est un petit peu comme venir dire vous êtes tous des andouilles, quoi. On peut pas. C'est dans une. Enfin, je veux dire, à moins d'être, je ne sais pas, moi, dans un régime. Du genre régime, comment dirais-je, je ne sais pas dans quelle pays, partie de la planète, sans que ces personnes, je pourrais trouver, peut-être Corée du Nord, ou alors un régime bananier, ou alors, je ne sais pas, vous voyez, est-ce qu'il n'y a que dans ce genre de régime-là, enfin, je ne sais pas encore, pour la Corée du Nord, je ne suis pas sûr, parce que la propagande qui existe en Occident, en tout cas sur parole, mais bon, il y a des régimes à la surface de la Terre, où vraiment il y avait la Stasi, quoi. Donc cette assertion comme quoi c'est un accident, on ne peut pas avoir dans une démocratie réelle, hein, parce qu'on n'est pas dans un service de police qui vienne dire après un tel acte, voilà, c'est un accident. Pour moi, c'est pas concevable, c'est-à-dire c'est carrément se foutre de la gueule de la population. Moi, je ne peux que le prendre comme ça. Oui. Mais de toute façon, tu sais très très bien que dans notre pays, il y a la justice. Et je ne sais pas s'il y avait des associations pour défendre cette cause de Théo, qui à partir de maintenant, Théo va devenir une cause nationale et dont l'histoire va être marquée. Et Théo, ça ne va pas terminer avec ce qu'on
on entend à droite à gauche, ça va marquer dans l'histoire de la France. C'est vrai, alors si police de police, il a donné un avis non favorable à la majorité des gens qui ont vu le film, la vidéo et tout ça, moi je crois qu'après, on devait aller chercher dans la justice, c'est-à-dire il faut fonder, même s'il n'y a pas d'association, il faut fonder une association pour défendre Théo, soi-disant, et par cette association, engager des avocats et porter plainte et poursuivre, surtout que, vous savez, la France, Bernard, est le seul pays dans le monde qui très très facilement, on est en train de juger des sénateurs, des députés, des maires, des présidents de la République, on ne parle de personne. Regardez depuis l'histoire de Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, était un ministre très très fort. Après, jusque plusieurs sénateurs, plusieurs députés, maires qui étaient jugés, tout ça, c'est puisqu'il y avait des dossiers, il y avait des procès, il y avait des plaintes déposées. Alors, moi, s'il vous plaît, vous avez la parole, toi-même aussi, Bernard, si tu as des informations, tu peux me donner, en composant le 08 92 23 95 20, je ne sais pas, est-ce que pour Théo, il y avait des associations créé, il y avait des plaintes déposées devant les tribunaux de la République, oui ou non, c'est-à-dire, il faut savoir, de l'autre côté, nous devons chercher de trouver et de punir les gens qui ne respectent pas. Pour Théo, donc, des associations créées, oui, voilà, tout bien, mais en fait, vous, en début d'antenne, vous disiez que bon, il faut protester, manifestation calme, mais surtout pas de violence. Mais on a vu à quel point les gouvernants sont complètement indifférents à toutes les manifestations. On peut revenir des millions de personnes, tant qu'ils ont le pouvoir, ils n'en tiennent pas compte. Est-ce que vraiment si ces manifestations violentes n'existaient pas, je dois faire attention en formulant mon truc parce que ça peut être mal interprété en fait. Oui. Je voulais dire qu'en fait, on va petit à petit, vu que les tensions augmentent en France, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ce qu'on a vu l'année dernière aux États-Unis, c'est-à-dire toutes les semaines, il y avait un noir qui était abattu, désarmé. Les gens faisaient une manifestation, deux manifestations, quelques émeutes, mais ça n'empêchait pas, tous les 15 jours, il y a eu en 2016, au minimum, il y a eu un homme de couleur assassiné, hein, c'est le mot. Au moins une fois tous les 15 jours. Hein. Donc, on se dirige vers ça. Et si les gens qui, comme nous, là, se contentent dans quelle mesure les manifestations pacifiques sont prises réellement en compte par le pouvoir? Voilà, ma question, c'est ça plutôt. Dans quelle mesure les manifestations se cantonnent à des manifestations pacifiques? Le général, général de Gaulle avait une manière de dire les choses, mais dans quelle mesure, donc, ce pouvoir, qui pour moi est ce pouvoir et ses policiers accorderaient de l'importance à des manifestations ou même des associations? Parce qu'en fait, c'est quand même. Il y a un sentiment de révolte par rapport à ce qui se passe. Il y a eu quelque chose de très grave qui a été commis, et il y a tout un corps de métier qui se rend complice de cette chose. Et ça, c'est inquiétant pour nous. Parce que ça, dès le moment où il n'y a pas du côté du peuple, des gens qui sont surveillés, contrôlés, etc., qui n'a pas une réponse forte, il est. Bernard?
C'est coupé, Bernard, hein? Bernard, c'est coupé. C'est coupé de ta part. C'est pas le studio. Tu peux revenir. Mais en attendant que Bernard ou quelqu'un d'autre va composer notre numéro, je vais répondre à Bernard. Écoute, Bernard, c'est vrai, j'ai dit, j'insiste. En plus, c'est notre premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui l'a dit. Manifester les émotions est légitime, est 100% légitime. C'est-à-dire, on peut manifester. Pour condamner l'acte contre Théo par un policier. Mais de l'autre côté, ce qui est regrettable, c'est les violents et déchaînements qui suivent certaines manifestations qui ne se font pas par les manifestants, ce ne se font pas par les bandits. Les gens qui font ça, c'est des bandits. Ce sont des gens qui brûlent les bus, les voitures, ils écrasent les vitrines, les vitres, etc. C'est des bandits, c'est des terroristes, ces gens-là. C'est-à-dire, s'ils avaient une mitraillette, ils auraient tiré même sur le peuple. Ces gens-là, aucun rapport avec les manifestants. Aucun rapport avec les associations qui organisent ces manifestations. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai, toi, tu as tout à fait raison. Peut-être toujours par manifestation, on ne peut pas arriver à ce qu'on veut. Mais surtout, aujourd'hui même, dans les infos, il y avait une information assez intéressante que je veux vous informer. Vous avez entendu. Par contre, de temps en temps, quand les manifestations, il est sympa, il est dans le calme, il est doux, il gagne. Regardez, les dames qui sont assistantes des professeurs dans les écoles maternelles, deux fois ils ont fait des manifestations et des grèves l'année dernière. Deux fois. Moi j'étais au courant, puisque je préside une association parental d'école de mon enfant. Enfin, je suis au courant j'étais au courant de cette grève et manifestation que l'année dernière, deux fois ils ont fait ces dames-là. Et c'est les femmes qui aident les professeurs dans les classes maternelles. Deux manifestations, deux grèves ils ont fait et ils ont gagné leur cause. C'est-à-dire aujourd'hui, il y avait en faveur d'eau quelque chose qui est sorti. Mais cette manifestation s'était faite en douceur, en calme. Ils étaient allés voir les responsables, etc., etc. Mais quand on fait des manifestations, après il y a des méchants qui entendent les manifestations, et ils font des bordels, et c'est là que c'est vrai, même l'État ne peut pas écouter ces gens-là. Il dit, vous, ce que j'ai dit au départ, il dit, vous, monsieur, madame, vous n'avez pas pu gérer votre manifestation. Imaginez-vous, parce que ça aussi c'est la même faute commise par les organisateurs des manifestations, comme j'ai dit au départ. Or, ils doivent gérer leur manifestation, que les autres n'entrent pas dedans. Mais de l'autre côté, David Abbassi aussi, il vient de vous dire, toujours ce n'est pas par les manifestations que vous pouvez gagner. Vous devez aller former des associations, et par les associations, vous devez porter plainte devant les tribunaux et engager de bons avocats, puisque quand c'est une association, après vous êtes nombreux, vous pouvez ramasser beaucoup de dons, financer les avocats, aller devant les tribunaux, comme ils font des autres. Vous pensez à certains dossiers contre les grandes personnalités françaises qui étaient sorties toujours et causaient des problèmes. Vous pensez que tous ces dossiers-là, tous ces procès-là, c'était sorti comme ça? Non, toujours il y avait des groupes et des associations derrière chaque plan contre un sénateur, un président de la République, un ministre, un sénateur. Tout ça c'était organisé, mon cher ami et mes amis. Vous devez être organisé. Ce n'est pas seulement pour faire des manifestations, pour aller porter plainte. Alors si vous allez porter plainte, soyez sûr et certain. Moi, je vous garantis, la République, l'État français, quand il y a une plainte, quand il voit qu'il y a avis des juges sur une affaire, ils vont sanctionner et punir une personne. Parce que toujours, exclut une personne, même de la famille, c'est mieux pour garder la famille. La famille, c'est la République.
Sept policiers, on pouvait le juger s'il y avait une plainte. Je ne sais pas s'il y avait plainte ou non. Informez-moi, s'il vous plaît. Puisque je ne sais pas si quelqu'un ou une association a porté plainte contre cette policier ou non. Soyez sûr et certain que s'il y avait une plainte, on aurait sacrifié, même si vous voulez comme ça que je dis, on aurait sacrifié un policier, viré, sanctionné, pour calmer la République. Et c'est, comme vous savez, dans la République, tout marche avec les méthodes démocratiques. Les méthodes sont démocratiques. Ce n'est pas totalitaire. Hollande, comme président de la République, il peut aller visiter Théo. Mais démocratie ne le permet pas de suspendre le policier. Ce n'est pas dans son travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous devez comprendre. Démocratie, laïcité, la République, il y a des outils, il y a des trucs, si vous voulez. Ces trucs doivent être respectés. Hollande, il va aller là-bas. La présence du président de la République, ça veut dire qu'il a condamné l'acte. Soyez sûr et certain. Ici, je peux parler au nom de notre président. Quand il est allé là-bas visiter Théo, il a condamné cet acte. Mais lui, il n'est pas le juge. Il n'a pas même pas intervenu pour juger son ministre de l'Intérieur ou son ministre de la Justice ou je ne sais pas qui. Hollande, séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. Pour ça, vous devez aller porter plainte. S'il y a des plaintes, c'est la justice. C'est séparation de pouvoir, c'est un autre pouvoir qui va entrer, même ce pouvoir-là, la justice, il peut ordonner, il peut juger contre la décision de police de police. Francis. Bonjour Francis. Oui, non mais David, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, tu sais, il y a la loi, etc. Mais il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et qui est violent? Bon, tu retournes un peu la situation, et je sais c'est ton rôle parce que tu es médiateur, mais mon avis, personnellement à moi, bon, moi j'ai 50 ans, et j'ai fait des manifestants jeunes, et je me suis battu pour ce que je crois, et là je suis un peu vieux pour tout ça, mais et qui est violent dans l'histoire? Ta voix ne dit pas que tu es vieux, hein? Comment? Ta voix ne dit pas que tu es vieux. Non mais tu vois ce que je veux dire, j'étais prêt à me mettre en avant quand j'étais jeune physiquement et prendre des risques physiques. Et je veux dire, la violence là, la vraie violence, elle vient pas des manifestants. Les manifestants, même s'ils sont, ils ont pas un rôle là-dedans personnellement, c'est très grave parce que on a pris un homme innocent et il était tellement honorable, Théo. Je pense que tout le monde est d'accord. Il était tellement honorable quand il a parlé. Il était. Je pense que. Tu es d'accord, non, David? C'est un exemple. Tellement honorable, tellement bien. Mais je ne veux pas qu'un homme comme ça soit traité comme ça en France. Ça ne peut pas exister en France. Donc, il faut qu'il y ait un changement. Alors, s'il n'y a pas une réaction adéquate, oui, il n'y aura pas de paix. Je suis désolé, on ne peut pas avoir de paix. Et moi, je suis le premier à être pour la justice, tu vois. Mais quand on traite mal les gens, chacun est mon frère et on me traite mal, moi. Et je le prends personnellement, quoi. Ouais. Tu comprends? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression que c'est un peu le loup et l'agneau. Hein. Si c'est pas toi, c'est dans ton frère, tu vois. On est. J'aime trop la France pour que ce soit les autres qui payent, le frère ou. C'est pas juste. La police a une responsabilité. On leur abandonne certains droits, mais quand ils ne le font pas, on leur abandonne le droit de maintenir l'ordre, mais il ne peut pas y avoir d'ordre quand il y en a.
Tu sais, Francis, à mon avis, moi je vais te dire encore une chose, je vais répéter ce que j'ai dit au départ dans notre émission. Voilà, ce qu'on a fait sur M. Théo est condamné, impardonnable. Et même, tu viens de dire que c'est un type très gentil, et j'ai entendu aussi à droite à gauche en disant qu'il était gentil, même si c'était un criminel, cette attitude, il ne le méritait pas. Ça, c'est autre chose. Mais de l'autre côté, je veux dire, quand on fait des manifestations, on n'a pas le droit de brûler les bousses, casser, entrer dans la violence terroriste. Parce que ces actes, c'est contre la République, contre le peuple français, et surtout, surtout, cette manifestation que vous, vous êtes en train de le faire, il va être gâché à cause de ça, Francis. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Alors, Théo, même s'il n'était pas gentil, parce que tout le monde, même avec un criminel, on ne le fait pas ça. Regarde, il y a des gens qui tuent plusieurs individus, des assassins, des terroristes, quand on les arrête, on les juge, on les ramène devant le tribunal, patati, etc. Et un policier n'a pas le droit d'intervenir physiquement contre un citoyen. Ça, c'est autre chose que tu n'as pas. Mais de l'autre côté, c'est ça que je veux te dire. On doit respecter le respect de la République et les lois républicaines. C'est mutuel, de deux côtés. En même temps que l'État doit respecter le citoyen et les citoyens également doivent respecter les lois républicaines. Vous avez le droit de manifester, vous n'avez pas le droit de brûler Bobigny. Parce qu'en plus, on ne dit pas tout, il y a beaucoup de dégâts, tu vois. Voilà, Francis. Et c'est vrai qu'après, si on entre dans l'enjeu humain et très très calme, Francis, tu peux être sûr et certain que l'État et la République, il est prêt de sacrifier un policier pour garder le calme dans le pays. Mais malheureusement, c'est une période, comme vous venez de dire, tout le monde, c'est la période des élections, etc., etc. Ça entre dans certaines phases qui n'est pas tellement respectable et républicaine. Francis. Oui, je viens de t'écouter et je dois dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, et j'aime beaucoup la République et j'y crois, j'ai envie d'y croire. Donc oui, tu as raison. Il n'y a aucune excuse pour la violence, mais... oui, voilà, il n'y a aucune excuse pour la violence. Ouais. Merci, Francis. Voilà, je t'embrasse. À bientôt. Merci, moi aussi je t'embrasse. Et on va recevoir maintenant Miss Catherine. Catherine, elle est partie. Désolé, Catherine, tu peux revenir. Hein? Voilà. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20 pour vous exprimer, poser vos questions et pour nous passer des informations. Si vous avez des informations assez intéressantes que vous venez d'entendre, voilà. Surtout, c'est la période des paroles. Période de programme, période de slogans des candidats. Oh là là, combien de candidats vous avez? Regardez combien de candidats. C'est vraiment catastrophique cette histoire de candidats aussi que vous avez en France chaque fois, surtout cette année, en 2007, pour les élections, vous en avez plein. Alors, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter Mélenchon. Tout le monde pensait que Hamoun, il va faire alliance avec Mélenchon, mais je crois que cette alliance, ça sera impossible. Parce que certains, ils disaient, si tous les deux, ils font une alliance, c'est leur alliance qui va gagner. Mais tous les deux, ils vont devenir président. Moi, le président, n'accepte pas. Alors, la France ne peut pas avoir de président. Parmi les deux, un doit accepter de devenir Premier ministre quand même. Alors, mes chers amis, Morgane, elle est là pour vous répondre, pour prendre vos appels et
Nous sommes là pour vous écouter sur 95 FM. Radio ici maintenant. Tous les lundis et derniers samedis du mois dès 23h sur 95.2 FM et ici maintenant.com en direct avec David Abbassi pour l'émission L'Humeur du Temps. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Voilà, c'est l'humour du temps avec David Abbassi sur 95.2 FM, radio ici maintenant. Également, vous savez, vous pouvez nous écouter, nous regarder par l'internet, par votre smartphone, ici maintenant.com. Radio numérique également, le canal A9, vous pouvez nous écouter. C'est vrai que par vos smartphones, vous tapez ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder, nous écouter, et surtout nous avons constaté que vous êtes très très nombreux de nous écouter dans le monde entier. Je veux vous remercier toutes et tous d'être avec nous, avec Radio ici maintenant. Écoutez, si vous êtes loin de la France également, vous pouvez intervenir. Mais je crois que non, c'est difficile parce que le 08 92 23 95 20, vous ne pouvez pas le composer de l'international. Ça, on m'a dit, certains amis qui voulaient intervenir, ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire de l'étranger, vous ne pouvez pas composer ce numéro-là, 08 92 23 95 20. Vous savez, on parlait des candidats et vous avez la parole, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, c'est-à-dire quand nous recevons des appels de votre part, David Abbassi, il va arrêter de parler. Et je vous donne la parole. Mais en attendant, je veux vous dire quelque chose au sujet des programmes des candidats. Vous savez, les candidats, ils ont des programmes. Mais actuellement, certains candidats, ils n'ont pas de programme. Ils ont seulement des slogans. Il y a des slogans, pas de programme. Par exemple, à l'époque, vous vous rappelez, François Mitterrand, il avait proposé 110 propositions, 110. Chirac, il a fait un bouquin, etc. Toujours, il y a des propositions, des programmes. Des programmes à part et des propositions, c'est le slogan. Et slogan de chaque candidat, que je ne veux pas faire publicité pour eux, je ne veux pas vous dire, mais chaque candidat, comme vous savez, il a un slogan. Ce sont des slogans. Mais le programme, imaginez-vous que le président de la République prend plus de 50% et il devient président de la République, après il va exécuter son programme. Il va appliquer son programme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous serez d'accord? Est-ce que vous allez faire des manifestations contre le président qui est en train d'appliquer son programme? Aujourd'hui, c'est la démocratie. D'autant, je suis désolé de vous dire, démocratie, il vient rigolo. C'est-à-dire, il nous fait rire. Rire, avec un air, rire. Démocratie. Aux États-Unis, que nos amis, ils ont cité
la violence policière, surtout ces dernières années, contre le peuple américain, que même on filmait, on montrait à droite à gauche et tout ça, et certains, ils pensent que tout ça, ça aboutit à... c'est en faveur de M. Donald Trump. Puisque quand il y a la violence, quand il y a des choses comme ça dans la rue, alors les gens ils sont terrorisés. Et quand ils sont terrorisés, ils vont aller plutôt vers droite que vers gauche. Quand tu es terrorisé, tu cherches la sécurité. Pour chercher la sécurité, tu vas aller vers la droite. Quand il y a la pauvreté, on te propose de l'argent de poche, tatati, tu vas aller vers la gauche. La gauche, c'est l'argent, pouvoir d'achat, pouvoir vivre, l'argent, les allocations, etc., etc. Et la droite, c'est fuir le peur et l'insécurité. C'est pour ça, je ne suis pas bête, tout à l'heure Léo il a posé une question, j'ai passé comme ça à côté. C'est vrai que chaque fois quand il y a des élections, il y a certains problèmes. Imaginez-vous, rappelez-vous de François Mitterrand, un président qui, après Charles de Gaulle, je l'aimais beaucoup, moi-même. Mitterrand, vraiment, c'était quelqu'un dans l'histoire de la France et même dans l'histoire de l'humanité. À sa disparition, il y avait une réunion à l'UNESCO. Sa femme Danielle, il avait organisé ça. Il y avait 76 présidents, premiers ministres ou ministres des Affaires étrangères du monde entier qui étaient là. Yasser Arafat et Shimon Peres aussi étaient là. Et chaque personne, après il y avait une cinquantaine, 50-60 personnalités aussi étaient invitées. En tout, on était 150 personnes. Alors, à l'époque, chaque personne dans cette réunion qui a duré 2 jours, il avait le droit de parler 5 minutes. David Abbasi était parmi ces gens-là, et j'ai parlé 5 minutes. Ce que j'ai dit à l'époque, que je vais vous dire maintenant, Mitterrand était quelqu'un qui a joué un rôle assez important dans l'histoire de Tchécoslovaquie, dans l'histoire de Chili, dans l'histoire des Palestiniens, et dans l'histoire de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Mitterrand était quelqu'un, un socialiste, qui a réussi de réunir les socialistes pour gagner en 1981. Et en même temps, il pensait à socialisme international, et cette même... Mario Soares était président de Portugal. Je l'ai rencontré ici à Paris. Et il remerciait Mitterrand, puisque c'est Mitterrand qui l'a aidé de devenir président de la République dans son pays. Et pendant certains temps, Mario Soares était ici à Paris, était membre du parti socialiste François Mitterrand. Alors, imaginez-vous que nous avions ici, dans notre pays, un président comme François Mitterrand, qui a pu changer le chemin de certains pays tellement loin de nous, qu'il soit Palestine, Israël, qu'il soit Afrique du Sud, qu'il soit Pologne, je dis Tchécoslovaquie tout à l'heure, Pologne, Lech Walesa, s'il a pris le pouvoir, c'était grâce à François Mitterrand. Nelson Mandela, si c'était libéré les deux ou nous, c'était François Mitterrand. Je ne vais pas parler sur les détails de cette histoire-là que je suis au courant, mais c'est lui. Chili également, c'était Pinochet quand c'était shooté. C'était le travail de socialisme international. C'est vrai que le patron de socialiste international à l'époque, c'était Pierre Morva, son premier ministre. Pendant certains temps, Pierre Morva, il était premier ministre de François Mitterrand, après il était maire de Lille, et après toutes ces années-là, il était patron de socialisme international. Mais Mitterrand, comme président de la France, en même temps que l'économie de la France était très 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 florissante. Moi-même, je me rappelle, à l'époque, tout à l'heure, on était en train de parler avec Didier, je disais, dans les années 80, même jusqu'à 92,
L'économie s'était florissante. Moi-même, en même temps, j'étais un écrivain et je faisais le commerce. J'avais des commerces bien réussis. Bien réussir, et les autres aussi. C'est-à-dire, Mitterrand est un exemple. Alors, et aujourd'hui, ici et maintenant, vous regardez parmi les candidats, malheureusement, le primaire a été commencé. Moi, je suis désolé de vous dire. Je suis désolé. C'est mon avis. Il ne faut pas imiter tous des États-Unis. Vous avez la parole, hein. N'oubliez pas, 08 92 23 95 20, vous pouvez nous appeler, vous pouvez parler, mes chers amis. Ce que je veux vous dire, mes chers amis, le primaire qu'on a imité des États-Unis, en plus, on ne l'a pas fait comme eux, ils font. On n'a pas fait comme les Américains. Parce qu'on le fait dans le parti politique, dans chaque parti politique, on ne le fait pas dans le peuple. Ça, on a parlé la semaine dernière, je ne veux pas entrer dedans. Cette primaire qui est d'un parti politique, il y aurait plus de 5 candidats qui viennent se battre. Vous savez, il a bien fait, François Hollande, de ne pas être candidat, de venir à côté de ses anciens ministres, participer dans la primaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que cette primaire, en même temps qu'il montrait les partis politiques, je suis désolé, le parti politique ne pouvait pas fonctionner comme avant. Comme Mitterrand, il a réussi de unir les socialistes, de ramener ses ennemis, ses concurrents à côté de lui, Michel Rocca. Michel Rocca, à l'époque, personne ne pensait pas qu'il va faire une alliance avec Mitterrand. Mais il fait l'alliance avec Mitterrand, après il devient son premier ministre. Et jusqu'à dernier souffle qu'il avait chez Michel Rocca, était un critique envers Mitterrand en plus. Puisque j'avais le plaisir de le voir une fois, deux fois par semaine, puisque son bureau était dans mon immeuble à moi, l'immeuble que moi aussi j'avais, que j'ai mon bureau, aux Champs-Élysées. Et je disais, alors, Monsieur Rocca, c'est la fin de chemin, de l'histoire. Est-ce que toujours vous avez des critiques envers Mitterrand? Il a dit, oui, bien sûr que j'ai des critiques. Vous voyez? Mais pourtant, Mitterrand, il a réussi de le mettre à côté de lui. Aujourd'hui, nous pouvons constater que cette défaillance de confiance dans les partis politiques de pouvoir faire une primaire à l'intérieur du comité central et sortir une personne, c'est impossible. Et après, ça fait ce que vous pouvez constater. Après, tout le monde a peur que Mme Marine Le Pen va gagner. Et tout le monde a peur que Mme Marine Le Pen va gagner, mais eux-mêmes, ils font tout pour qu'elle obtienne 25%. Comme c'était sondé, c'est 25% de Front National actuellement. 25%. Et les autres, tous, c'est moins de ça. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier, quand le peuple français, ça c'est le point positif, quand le peuple français, il a osé de participer et de choisir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté tous les dinosaures, qu'ils soient mes amis ou vos amis, ou qu'ils soient fidèles de ces gens-là. Il a écarté de la scène politique française les dinosaures politiques. Les dinosaures, le peuple français, et les amis de côté. Ah, tout le monde pensait, même lui-même, il avait calculé, M. Alain Juppé, que c'est lui le président. Jamais il ne pouvait pas penser qu'il même pas, il ne veut pas entrer dans le deuxième tour, enfin, deuxième tour de primaire. Voyez. Avant tout, Sarkozy, un président assez fort, il a fait shooter Gaddafi, l'homme fort de l'histoire, panarabiste. Oh là là, vous savez qui était Gaddafi? Vous devez connaître l'histoire des années 70-80 pour savoir qui était Gaddafi. Il achetait tout le monde. C'était un homme très très fort, très très aimé par son peuple. Il donnait un logement à tous les Libyens, les voitures, tous les Libyens. Et il disait « Al-Bayt Liman Yaskunafi ». Il disait « La maison appartient à lui qui habite dedans. Il n'y a pas de propriétaire pour location. » Mais Gaddafi était shooté par
Sarkozy. Mais Sarkozy n'a pas pu réussir au deuxième tour dans les primaires. Le peuple français a réagi. Troisième exemple, était énorme, personne ne le croyait. Je vous assure, même pas 10% Manuel Valls ne pensait pas qu'il ne va pas être candidat aux élections présidentielles. Même pas 10% lui-même. Lui-même, déjà, il pensait que 100% il va devenir président. Pour ça, il quitte le navire avec celui qui l'a donné tout, c'est-à-dire François Hollande. C'est vrai qu'à l'époque, il était fidèle de Strauss-Kahn, M. Dominique Strauss-Kahn. Après un certain temps à côté de Mme Ségolène Royal. Mais quand il est devenu ministre de l'Intérieur et Premier ministre, ben, il ne pensait jamais qu'il va être écarté même de la primaire de son parti politique. Après deux personnes, il vient et c'est Hamon qui va gagner. Ça, c'était une intervention révolutionnaire de la peuple français dans cette élection de l'année 2017. Alors, quand vous allez voter parmi tous ces candidats, est-ce que vous allez faire une révolution ou non? Après, si vous faites une révolution et vous votez un vote de surprise, est-ce que l'individu qui va devenir président, est-ce qu'il a le droit d'appliquer son programme, ou s'il commence à appliquer son programme, vous allez commencer à faire des manifestations dans la rue et brûler des voitures? C'est-à-dire, vous acceptez la démocratie et vous avez réfléchi à ça? Si le candidat, il applique son programme comme Donald Trump, il a gagné, il est en train d'appliquer son programme. Ce n'est pas pour ou contre. David, il est en train de vous informer. C'est une information que je vous donne. Je ne vous donne pas mon opinion favorable ou non favorable à M. Donald Trump. Mais seulement, c'est ça que je veux vous dire. Lui, dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à exécuter et appliquer son programme. Mais tout de suite, c'est des manifestations contre lui. C'était unique dans l'histoire des États-Unis. Imaginez-vous pour la France. Vous faites la même chose. Vous respectez la démocratie. Vous sortez dans la rue en disant qu'il y avait des tricheries. Je ne sais pas, il y avait quoi. Pour se réfléchir, mes amis. Le peuple français. Vous êtes héritier de Jeanne d'Arc, de Napoléon, de Voltaire, Montesquieu, Jean-Paul Sartre. Vous êtes la France. Réfléchissez. Direct avec David Abassi sur 95.2 FM, vous pouvez intervenir et poser vos questions. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.
les lundis et derniers samedis du mois dès 23h sur 95.2fm et ici-et-maintenant.com en direct avec David Abassi. Antenne libre, à vous d'intervenir et de poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Vous avez sans doute entendu hier, on était informé comme quoi, suite à l'échec du centre de déradicalisation de Pontomy, on va le fermer, puisqu'il n'y a personne dedans. On n'a pas réussi à déradicaliser les fanatiques, les djihadistes, les intégristes. On n'a pas réussi, le centre il est vide. Et on va le fermer. Ça, c'était l'information. Mais pourquoi? Mais pourquoi, mes chers amis? Pour certaines failles qui existent dans l'institution et système. N'oubliez pas, puisque, écoutez, David, il dit tout. Hein? Moi, quand je parle de ce côté-là, je critique l'autre côté-là aussi. Un homme juste et libre et indépendant, c'est celui qui dit bien quand il est bien, et il cite le mal quand le mal existe. Être raisonnable dans la vie, c'est ça. Surtout que nous, comme vous savez, on ne travaille pas pour l'argent. Voilà. Même tout ce qu'on avait, on a sacrifié pour nos idées, on peut dire, pour nos principes. Alors, dans l'institution et dans le système, comme même Fion il a dit, comme tout le monde a dit, hein, tout le monde il dit, dans le système, dans l'institution, il y avait des failles, voilà, il présente ses excuses, l'autre patati, et l'autre patata. Mais pourquoi jamais personne ne pense pas à rectifier ces failles qui existent dans le système, surtout sur cette question de la fermeture de centres de déradicalisation? Pourquoi? Seulement, moi je ne vais pas être trop, je ne sais pas quoi, de parler de nous, de notre radio et tout ça. Non, mais heureusement, grâce à l'internet, grâce à l'archive, tout ça peut exister et existe, vous pouvez consulter. Nous avons depuis 30 ans évoqué ce problème, on a parlé que si on ne fait pas ça, on va voir ça, si on ne fait pas ça, on va voir ça. On a pu constater qu'on avait raison. On avait raison. Autre chose que aussi on avait raison, c'est cette histoire de centre de déradicalisation. Quand, à l'époque, quand Chevènement était ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, ils ont pensé sur certaines disciplines mettre pour la société musulmane en France, on peut dire. Mais après ça, c'était abandonné. Quand il y avait histoire de voile, tout ça à l'époque de Jacques Chirac, et surtout quand c'est Lionel Jospin est devenu son premier ministre, Lionel Jospin a créé, construit un comité nommé l'Islam dans la République. Et il a invité de certains islamologues, de donner leurs avis sur l'Islam dans la République. Dès les premières réunions, moi, j'ai constaté que ces gens-là qui étaient invités comme islamologues, ils étaient islamologues, mais ils étaient musulmans islamologues. Est-ce que vous comprenez la différence entre islamologue laïque non musulman par islamologue musulman? Islamologue musulman, c'est les ayatollahs, mais qui ne sont pas habillés, qu'ils portent cravate. Islamologue musulman, c'est-à-dire un clergé musulman. C'est quelqu'un qui connaît l'islam,
positive, que c'est un clergé. Mais il est même professeur à l'université de Sorbonne, à Reims, à Marseille. Il est même professeur à Langso oriental. Il est même professeur. Il porte même le cravate. Il rase son barbe à l'époque. Hein. Maintenant, il porte le barbe avec la fierté. Alors, ces gens-là, c'était des musulmans islamologues, c'est-à-dire des chefs musulmans qui voulaient écrire le projet de l'islam dans la République. En ce moment-là, j'ai donné cette observation que j'ai constatée à M. le Premier ministre, Pierre Joxe, non, je me suis trompé, Pierre Joxe était ministre de l'Intérieur, à Lionel Jospin, qui était Premier ministre de Jacques Chirac. Et j'ai dit à Lionel Jospin que ces gens-là, comme je viens de constater, ce sont des islamologues. Il y avait deux, trois personnes qui n'étaient pas musulmans islamologues, deux, trois personnes. Mais parmi les 14, la majorité, c'était comme ça. Alors, cette majorité, s'il faisait quelque chose, ce n'était pas favorable à la République ni à la laïcité. Parce que c'est des croyants, c'est les gens qui sont patrons et propriétaires et gardiens de cet islam-là, bien sûr professeurs à l'université, qui vont écrire l'islam de France. Ça, c'était échoué. De toute façon, ça n'a pas bien marché. Ils ont fait un petit dossier de 50 pages, 70 pages, que je l'ai toujours, certains trous que mais personne n'a pas pris compte. Jusqu'où il y a le projet de l'islam de France que j'ai écrit, j'ai travaillé, et que j'ai donné même à Jacques Chirac, je l'ai donné à l'époque même à Pierre Joxe, et après à l'époque de Sarkozy, j'ai amélioré ce projet, et je l'ai donné, et je ne vous cache pas que tous les ministres de l'Intérieur et Justice, et tous les premiers ministres, et tous les présidents, depuis Chirac à ce jour, ils ont lu ce projet, et utiliser, profiter en faveur de la République, et même j'ai reçu des mots de leur part, etc., etc. Mais à la fin, vous avez, à l'époque de François Hollande, un ministre de la laïcité. Cette histoire de chevêtement, c'est tout à fait récent pour gérer cet islam de France. Ça, c'est nouveau. Mais avant ça, ce qu'il a fait François Hollande, c'était très intéressant, c'est de créer un instant laïcité. Cette institution pour défendre la laïcité et présidé par Bianco, M. Bianco, que j'avais le plaisir de l'inviter, vous l'avez entendu sur notre antenne, il a parlé. Alors, mais tout ça, c'est-à-dire puisque autour de tous ses amis, autour de tous ces hommes d'État, il n'y avait pas de bons conseillers, c'est ça qui a échoué. On n'a pas réussi d'élargir, de remplir, par exemple, les centres de déradicalisation pour améliorer la situation des quartiers difficiles, des gens difficiles, des gens qui vivent difficilement. Écoutez, quand vous n'avez rien à manger, quand vous n'avez pas du travail, quand vous êtes frappé de droite à gauche, quand vous sortez de votre quartier, 5 fois par jour, vous êtes contrôlé, puisque vous n'avez pas bien habillé, vous n'avez pas l'argent d'aller vous habiller. Tout ça, c'est vrai que c'est pas bien. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour ça, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas donner des promesses au moment des élections. Et une fois que on a gagné, on oublie tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces sujets-là qu'on vient de partager avec vous? Vous pouvez intervenir, mes chers amis. Vos interventions, vos questions et vos informations sont bienvenues sur 95.2 FM Radio ici maintenant, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Alors, également, vous savez, c'est la deuxième semaine que Morgan est avec vous. Elle présente Revue de presse tous les jours de lundi à vendredi, de 14h. Seulement pour une fois, hein, c'est seulement pour une fois. Je veux vous remercier toutes et tous de votre soutien, votre sympathie envers Morgan et son émission. Il était formé par mon ami Didier Deplège, bien sûr, et comme vous pouvez constater, comme plusieurs d'autres personnes qui dans cette école, ils ont appris des choses. Et je veux, surtout moi personnellement, remercier tous les mots et toutes les expressions favorables que vous avez eues envers le Morgan, qui soit sur le front de radio ou sur l'antenne, etc. Et je le souhaite bonne chance pour Morgan. Si vous avez entendu ou non l'histoire de Cédric Héros, condamné à 3 000 € d'amende puisqu'il aidait les émigrés. Ça aussi c'est une question assez intéressante, puisque lui il était encouragé après cette condamnation. Mais de l'autre côté, une chose qui est très intéressante, vous pouvez constater une propagande, on peut dire, assez large, a été réservée pour un des candidats. Parmi tous les candidats, il y en a un des candidats qui a un soutien assez large et des propagandes aussi assez larges, que ce soit dans les médias français ou international. Vous savez, les médias français, c'est contrôlé par le CSA. Il ne fallait pas que ça dépasse certaines limites par rapport à d'autres candidats. Mais à l'extérieur du pays, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire, dès que vous sortez de frontières françaises, le CSA ne peut pas intervenir pour mesurer le barème de propagande pour tel ou tel candidat. Alors, pour une personne, il y a énorme publicité et propagande, et soutien de certaines personnalités, que quand vous voyez toutes ces personnalités soutiennent cette personne, ce candidat, vous allez être étonné. Pour ça, je vais vous donner une petite mission, puisque vous avez l'antenne libre sur la radio ici maintenant, pour Emmanuel Macron.
vous savez qui sont les individus qui le soutiennent. Si vous trouvez la liste, qui n'est pas très difficile, et moi je ne vais pas le lire, vous allez voir que c'est très intéressant. Déjà, c'est la force de l'argent et de finance, et de l'autre côté, vous avez aussi la force politique et le pouvoir. Les deux forces, une grande majorité, sont derrière Emmanuel Macron. C'est pour ça que tout ça s'est bien programmé, que quand il a quitté le Parti Socialiste, même quitté le gouvernement, il a créé son mouvement à lui. Et ni droite, ni gauche, ni centre. Mais malgré tout ce qui se passe dans notre pays, la France, enfin, concernant cette élection qui s'approche, il faut voir quelles seraient les tendances vers les candidats. Alors, cette liste, ça va être très intéressant. Vous pouvez travailler pendant peut-être 1h30 et sortir la liste qui soutient Emmanuel Macron. Manuel est parti, Manuel Valls, Emmanuel Macron, il est dans le champ. Le plus jeune parmi tous les autres est candidat, mes chers amis. Et il ne reste pas beaucoup de temps. Je serai encore avec vous quelques minutes, mes chers amis. Le sujet qui vous intéresse, nous sommes ravis de l'écouter, de l'entendre avec vous sur 95 FM. Répondre à la question de Chantal, vous savez, actuellement dans le monde, puisque communiste dans l'ex-Union soviétique n'existe pas comme avant, c'est-à-dire la Russie, comme vous savez, a été transférée à un pays orthodoxe plutôt que communiste. C'est vrai que le système ancien, c'était un système marxiste, enfin communiste, même après Yeltsin, même à l'époque de Gorbatchev et tout ça, surtout avec Poutine, c'est un pays qui n'est pas la même valeur qu'il y avait avant sur l'athéisme, etc., etc. C'est pour ça que si vous pouvez constater, vous allez voir qu'il y a une alliance internationale tout à fait nouvelle avec la Russie. La Russie qui aide Trump pour prendre le pouvoir aux États-Unis,
Vous savez que le rôle de la Russie était assez énorme et très important pour cette victoire. On ne va pas parler de financement et tout ça, puisqu'on ne peut pas vous montrer des documents, des preuves et tout ça, mais seulement sur l'histoire des emails de Hillary Clinton, que c'était officiellement reconnu et évoqué, écrire dans les médias internationaux, et surtout le président Obama a viré plusieurs diplomates russes des États-Unis sous le prétexte qu'ils ont espionné dans l'email, les emails et l'informatique de Hillary Clinton. Ça prouve que le système d'espionnage de la Russie a été bien joué et utilisé en faveur de M. Donald Trump. Cet investissement, en même temps, s'était fait sur d'autres candidats dans d'autres pays. C'est-à-dire l'Amérique, suite à la crise économique qu'il y a eu dans ces dernières années, et surtout la politique un peu différente de M. Obama, que cette politique d'Obama, c'était différent. C'est-à-dire le CIA, il crée avec certains pays musulmans, par exemple Daesh, Al-Qaïda et tout ça, mais de l'autre côté, le pouvoir de Maison Blanche, c'est-à-dire le pouvoir présidentiel, il vient de frapper et écraser et le même mouvement qui s'était créé par ces services de renseignement. Vous voyez, c'est un conflit interne à l'époque de M. Obama aux États-Unis, que l'institution américaine n'était pas 100% unie comme c'était à l'époque de George Bush, ou c'était à l'époque de même Reagan et tout ça. Il y avait un conflit à l'intérieur du pouvoir. Même David Petraeus, qui était patron de CIA, surtout il avait donné certains avis. Lui, il était un des généraux américains en général, mais modéré, catholique, voilà, on peut dire, et correct. David Petraeus, patron de CIA, on prépare un coup des femmes, l'histoire des femmes russes, vous savez, dans le bras de David Petraeus, après on l'oblige de démissionner. C'est-à-dire le patron de CIA, qui était en faveur d'Obama, c'était un ancien héros de la guerre d'Irak et de Tchécoslovaquie, de Tchétchène et tout ça, il devient patron de CIA, David Petraeus. Mais on prépare un coup pour le virer, et après, tous ces conflits-là, c'était aux États-Unis, conflits internes, bien sûr. Alors, la Russie a profité, bien sûr, avec l'aide d'un pays musulman qui est devenu un peu fort, on peut vous dire, dans le quartier. Ces deux forces-là, ils ont décidé pour les États-Unis, ils ont mis au pouvoir Trump. Pourquoi Trump, vous savez, ce qu'il a dit, son programme, également était en faveur de ces deux grandes forces que j'en parle. Il avait dit, moi, on ne va pas intervenir en dehors de notre pays. Pour nous, avant tout, c'est la USA. USA d'abord, comme le slogan du Front National, la France d'abord. Et cet slogan s'arrange la Russie, puisque la Russie et l'autre pays musulman, ils vont élargir leurs frontières stratégiques et leurs frontières politiques, militaires. Quand le président des États-Unis, il est dans son programme et de ne pas intervenir en dehors de son pays, ça c'est une question assez remarquable et vendable pour la Russie. C'est pour ça que la Russie, même on parle de finances de l'autre côté. Alors quand ici aussi, madame, tout le monde le sait, quand madame Marine Le Pen il ne trouve pas des crédits, c'est les banques russes qui vont le financer, qui vont l'emprunter de l'argent. Et pour ça,
si cette histoire, de toute façon, n'oubliez pas, ils n'ont pas, ce n'est pas seulement un financement ou un investissement seulement pour une partie politique. Toujours, on joue dans plusieurs tiroirs. Donc, surtout quand il s'agit de plusieurs tiroirs. Actuellement, en France, vous avez plusieurs tiroirs présidentiels. Et c'est, tous ces tiroirs présidentiels ne sont pas uniques et ne sont pas fidèles. Et cet enjeu international et la force de la Russie qui actuellement, vous allez voir dans les années qui viennent, s'il continue avec l'autre pays exportateur de pétrole musulman concurrent avec l'autre bras musulman dans le monde, et ils vont avancer, c'est-à-dire il suffit après l'Amérique, ils prennent un ou deux pays en Europe, c'est-à-dire présidentiel, ils gagnent, ils restent, vous allez voir, l'équilibre va changer. Cet équilibre va être changé par l'intelligence. Vous savez que tous les pays, tous les pays, la force qui garde chaque pays, c'est le service de renseignement. Le service de renseignement intérieur et extérieur. Quand les services de renseignement sont forts, bien placés, bien plantés, ils vont avancer le pays. Je viens de vous dire, aux États-Unis, il y avait des problèmes de conflit entre le pouvoir, mais en France, malheureusement, il n'y a pas de ce conflit-là. Surtout, je ne sais pas, on arrive à la fin de mon émission, je vais vous demander, est-ce que vous voulez devenir espion ? L'espionnage, ça vous dit quelque chose ? Si vous voulez devenir espion, 007, dépêchez-vous. DGSO engage 600 espions. Vous ne le savez pas? Alors, en parenthèse, si vous voulez devenir espion, DGSO engage 600 espions. Allez, dès demain, ministère de la Défense, vous allez vous inscrire, il y a des examens qu'il faut passer, après vous allez devenir un agent de DGSO pour garder la sécurité extérieure de la France. Voilà. DGSO embauche 600 personnes. Il a reçu l'ordre d'embaucher 600 personnes d'ici 2019. Alors, quand c'est DGSO, il est fort, DCRI, il est fort, renseignements généraux n'existent plus sauf à la préfecture de Paris. Quand ces services sont très très forts, il faut bien informer les hommes d'État et les organismes d'État pour pouvoir bien réagir. Et ça, c'est KGB, vous savez que c'était un des meilleurs. KGB, il a bien jugé, joué, KGB, longue histoire qu'on n'en parle pas ici, on ne le connaît pas, on ne le sait pas. C'est pour ça, la main rouge de pouvoir international est en train de conquérir une grande partie du monde. C'est-à-dire actuellement, le monde n'est pas 100% à la main des États-Unis, c'est-à-dire nouvel ordre mondial a été changé, mes chers amis, et il est en train d'être changé, nouvel ordre mondial. Et vous allez voir dans les années qui viennent, il y aurait d'autres forces mondiales, mais l'important c'est ça. Nous allons où ? La France va aller où ? Qui va gagner cette année ? C'est ça qui devrait être votre souci. C'est là que vous devez travailler, mes chers amis. Travailler dans ce domaine-là, mes chers amis. Qui va gagner cette élection ? Cette élection, ce n'est pas tellement important pour la France. C'est aussi important pour l'Europe. Et c'est aussi important pour le monde, pour l'alliance avec l'Est ou avec l'Ouest. Nous arrivons à la fin de mon émission. Encore beaucoup de choses et des informations à vous donner, mais je préfère toujours de vous donner la parole plutôt, de parler. Parce que c'est vrai, quand vous parlez, ça c'est bien.
Ça, c'est bien, puisqu'on va être au courant de toutes les tendances, de toutes les pensées, et on va apprendre des choses. Vous savez qu'on apprend avec vous. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser et vous souhaiter bonne semaine, puisque c'est le lundi. C'est vrai que c'est mardi, ça a commencé depuis une heure. Et je vous souhaite bonne chance dans votre vie, bonne écoute sur votre antenne radio ici et maintenant. Je vous embrasse toutes et tous, mes chers amis. Je vous dis à lundi prochain. Au revoir. Merci Morgane.